Yo les gars, c'est NC, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Dans la première partie, j'ai déjà fait une vidéo, on a découvert le tutoriel du jeu. Donc dès que j'ai lancé le jeu, ils m'ont proposé un petit tutoriel. Et donc maintenant qu'on est dans les menus, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans les menus. On va regarder partout, les skins, les gameplays, les modes et tout. Et je ferai une troisième partie où on fera une game. Alors premièrement, on a ici l'argent du jeu. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de réduction. Comme vous le voyez, regardez. 5$, 500. 10$, 1000. 15$, 1500. 20$, 2000. 50$, 5000. Il n'y a pas de réduction sur les prix. Donc ça veut dire que si vous achetez celui-là ou celui-là, ça revient au même. Si j'achète 10 fois 5$, donc 50$, je vais avoir 5000 comme si j'achetais ça. Donc ça ne sert à rien. Je pense qu'ils changeront ça dans le futur. Ensuite, on a les paramètres. Donc les paramètres, voilà. Alors résolution déjà, je sais pas ce qu'ils m'ont mis là les poteaux. Moi j'ai quoi comme résolution déjà? Moi je crois que j'ai celle-là. Hop, appliquer. Ok. Parce qu'ils m'avaient changé ma résolution. Ah mais ils veulent pas. Ah, peut-être parce que je suis en mode fenêtré. Donc vous avez vu le mode fenêtré, le plein écran. La résolution, les FPS, la qualité, j'ai mis tout en médium. L'audio, donc voilà. Ça c'est l'audio de tout, donc j'ai mis ça. Les petits contrôles et gameplay, je sais pas trop c'est quoi. Alors le jeu est en anglais les gars, il n'y a pas encore de français malheureusement. Exit, bon c'est pour quitter le jeu, vous êtes pas bête. Report bug, ça va vous mettre sur une page internet et pour si jamais vous voyez un bug. Ensuite ici on voit le logo du jeu. On voit ici phase 1, je vais regarder après. Ensuite là coming soon, bon j'imagine que ça va être je sais pas des skins ou tout. Là c'est les deux tutoriels, donc si vous voulez refaire encore une fois le tutoriel, même si vous l'avez déjà fait, donc vous pouvez refaire le tutoriel survivant ou monster. Les crédits, hop, bon ça sert un peu à rien les crédits, mais voilà, si vous voulez voir les crédits, c'est carré. Screening room, je sais pas encore ce que c'est les gars, mais bon voilà, c'est sympa, peut-être pour des trucs plus tard. Ensuite on a le store, et ça c'est très cool le store. Alors, on n'a pas encore de skin, de main et de grab pack. D'ailleurs, ce shop-là, il reste 8 heures. Dites-moi ceux qui ont le jeu, si vous avez le même shop que moi, les gars, ou si c'est aléatoire pour tout le monde. Donc vraiment, si installez le jeu, il est gratuit. Et dites-moi si vous avez comme moi. Comme ça, on voit si la boutique, c'est la même pour tout le monde. Ah, j'ai pas envie d'acheter, mais on peut pas regarder. Ok, on peut pas regarder. Dommage. Donc ça, c'est un skin outfit. Donc on peut avoir le skin Dougie Woogie. Donc c'est stylé. Red Mommy, je sais pas ce que c'est. Parce que c'est pas un skin. Peut-être pour débloquer le personnage. Là on peut avoir un petit sac à dos rubis. Un masque de bulldog. Et un masque de Oogie. Donc dites moi vraiment si vous avez le même shop que moi les gars. Ça serait intéressant. Customize. Alors. Donc là on voit les monstres. Donc Boxy Boo, Oogie Woogie, Mommy Long Leg et le survivant. Donc on peut customiser. Oh, on peut mettre un chapeau. Alors je sais pas c'est quoi la différence entre les deux là. Ok, je sais pas. Il y a pas de différence j'ai l'impression. Moi je vais mettre le vert, vous savez quoi. Ensuite les mains. Oh, il y a plein de mains, c'est trop bien. Donc là c'est la main gauche. Ok, donc noir, bleu, foncé comme ça. Attendez, c'est quoi la différence entre les deux là? Ok, là c'est lime. Ok, donc déjà il y a plein de couleurs. Mais pas toutes les couleurs j'ai l'impression, il n'y a pas rouge par exemple. Ah si, en bas peut-être. Ensuite là des mains, ah c'est des mains LGBT. Ah c'est des mains LGBT. Ok. C'est les mains LGBT, vous voyez en gros il y a marqué Pride. Donc bon c'est pas grave hein. Ceux qui aiment bien les mains LGBT. C'est vrai que ça me dit, ça ressemblait au drapeau. Donc en gros c'est chaque drapeau LGBT, voilà. Bon moi je vais pas le mettre malheureusement. Moi je vais mettre la main en vert. Hop. Je vais mettre vert clair ou vert comme ça. Vert clair c'est très bien. La main droite, hop, pareil, je vais mettre vert clair. Bon, les mains LGBT, c'est triste. Là, les t-shirts, pareil, il y en a deux, je sais pas pourquoi. Je vais mettre le vert, hop. Ensuite, là, on peut changer le pantalon. Je vais mettre le lime, hop. Ah, par contre, les skins LGBT, en vrai, ils sont stylés. C'est dommage que ça soit référencé comme ça, mais bon. Grab pack, donc là, les sacs à dos, on en a pas gratuitement. Hop, le pantalon, je vais mettre le vert. Les chaussures, on va mettre les vertes. On peut mettre sans chaussures. Et la face, donc un masque, j'en ai pas. Perk, donc ça, ok, on peut avoir des pouvoirs. Ok, donc on peut les acheter, mais pas avec la monnaie du jeu. Donc c'est. Au moins, c'est pas pay to win. Donc les atouts, on pourra les acheter en jouant avec des parties. Donc avec des trucs, ok.
Et les emotes, est-ce que j'en ai gratuites? Je crois que j'en ai pas. Ok, j'ai pas d'emotes. Mais c'est normal. Ensuite, on va regarder Boxyboo. Ok, j'ai pas de skin sur Boxyboo. Pareil, les avantages et les emotes. Le petit poteau, j'ai pas de skin. Est-ce que j'ai un skin? Non, j'ai pas de skin sur... ok. Et sur Momi, j'ai pas de skin non plus et pas d'emote. Ok, très sympa, très sympa. Ensuite, carrière. Bon là, on peut voir tout ce que j'ai fait, mais bon, j'ai rien fait parce que c'est... Ça, c'est le tutoriel. Ok. Jouer, on va le faire plus tard. Ensuite, là-dedans. Oh, il y a un pass de combat. Ah bah là, la vie de ma mère, je vais l'acheter. 80 jours, il se termine. Ok. Alors, on a Kissimissi. Ok. Kissimissi, c'est la meuf de Poppy. De Huggy Wuggy. Ok. D'ailleurs, attends, on va regarder le prix. On va regarder le prix. Ça, c'est quoi? Ok, des petites infos. Ok. Buy the toy box. C'est 1000. Ok, 1000. Donc 10 euros le pass de combat. En vrai, ça va. Et on peut aussi l'acheter pour 2500 monnaie. Donc là, on a des mains des parties end. Ok. On a une petite danse. Ça, c'est une emote, je pense. Ouais, emote. Finger end. Chicken outfit. Ok. Scuba outfit. Ok. Une tête de t-shirt. Ok. Astronaute outfit. Sympa. Un chapeau hot dog. La T-pose. Ok. Sombrero. Oh, un skin pour Box, Box Shibu. Ok. Oh, robot Momi. Incroyable celui-là. Je vais l'acheter 100%. Un skin en bois. Banded hoodie, ok. Donc ça c'est pour les mains. Non, c'est pour le sac à dos. Un sac à dos hot, ok. Un grill on dirait. Cool slick outfit. Ok, sympa. D'ailleurs ce qui a marqué free, vous voyez que c'est gratuit. Ça c'est un pantalon, non un outfit carrément. De nageur. Les mains octo, ok. Un petit chapeau moche. Oh, robot Oogie, il est incroyable. J'espère que ça sera exclusif. Ah, le boxy, mais pour le survivant. Moustache. Wouah, Octomomi. Elle est incroyable. Skin end. Ok, donc ça, c'est des mains classiques, des mains d'humains. Stylé, pourquoi pas. Une petite danse, viens ici. Un sac à dos ici. Ouah, c'est incroyable. Je vais 100% l'acheter. Scrap end. D'accord. Attends, j'ai pas vu. Scrap end. Ok, des mains un petit peu. Ok. Fedora, un petit chapeau. Gold Huggy. Ouais, j'espère vraiment que c'est exclusif par contre et que ça va pas sortir dans la boutique. Waouh, il est incroyable. Ok. Non, vraiment, le poste de combat il est incroyable. J'espère qu'il n'y a pas trop de paliers, mais je pense qu'il va y en avoir beaucoup quand même. Momi, ok. Un truc de chat. Une petite tête. Des mains de démon. Un petit cœur. Un petit skin néon. Oh, cardboard. Ok, une box en carton. Le sac à dos mécanique. Bon, il y a beaucoup de trucs moches quand même. Ils auraient dû mieux gérer. Un petit truc de squelette. Bunzo outfit. Robot boxy. Incroyable, incroyable. Ok, des mains de jazz. Un F sur la tête. Un petit chapeau de sorcière. Un skin de soldat. Red Duggy. Incroyable. Un petit sac à dos backpack. Tonneau, pardon. Un enginer. Un sac à dos Oogie. Donc là, il y avait le rouge. Ah non, c'était pas un sac à dos ça. Daddy Longleg. Oh, c'est Mommy Longleg en mode de daddy. En plus, il est gratuit celui-là, vous pourrez tous l'avoir. Oogie Woogie en blanc. Des mains glacées. Un petit skin magicien. Ok. Un petit chapeau. Oh, Boxy Bra de Noël. Ok, robot outfit, très stylé. Un petit skin silver, gratuit en plus. Purple Boxy. Donc, quand vous voyez free, les gars, c'est gratuit, vous pouvez tous l'avoir. Ça, c'est quoi? Un petit sac à dos olive, d'accord. Une petite chevelure. Volt mécanique, incroyable. Green Mommy, incroyable. Night Outfit. Ok. Une emote pour Oogie, stylé. Robot Backpack, ok, stylé. Chef Hat. Gold Mommy, incroyable. Des mains robots. Des mains avec des gants. Une danse assis. Ruby Huggy, incroyable. Ruby Mommy, incroyable. Pharaon, stylé. Une petite danse, ok, enfin bonjour. Mommy Spaghetti, c'est incroyable. Un sac à dos doré, attendez, hop. Des mains un petit peu chaudes. Un skin comme ça, ok, métallique. Oh, un skin ballon, celui-là il est gratuit. Des mains de Huggy, ok,
Ok, on dirait pas. Ah si, quoique c'est les mains jaunes. Oh, green boxy, un ninja outfit, cowboy chapeau, des mains électriques. Ok, une petite emote pour Boxy. Et on arrive au palier 100. Donc une emote encore pour Boxy. Squelette outfit, stylé en vrai. Les mains cristal. Ça c'est quoi? C'est un sac à dos, attendez. Ok. Un masque de gaz. Des mains, les mains de momie. Ok, un masque de docteur. Un chapeau d'alien. Boxy backpack, très stylé. Et au palier 100 les gars, Killy Willy. Il est incroyable. Bon bah je vais m'acheter le pass de combat moi juste après. On a tout regardé. Attendez, j'ai envie d'appuyer sur play mais j'espère que ça va pas me lancer une game. Ok c'est bon. Donc on peut faire soit une partie rapide, soit on peut host une game, donc pour jouer avec des potes j'imagine. Ou server list avec plein de serveurs. Ok. Bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est incroyable. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pensez au code CREATORENSU dans Fortnite et dans plein d'autres jeux. Allez, ciao.